Bonjour, de retour pour continuer notre partie sur Planet Crafter. Je suis retourné sur ma partie principale en mode normal, celle qui est la plus avancée, que j'ai continué à faire avancer un petit peu hors stream. C'était une période un peu longue où il se passait pas forcément grand-chose. Bon, j'avoue finalement le mode intense, bon, il y a un poil plus dur, mais c'est surtout au début que ça se ressent. Après, ça change pas grand-chose. Ah, donc ça c'est la base principale. Dedans, vous allez retrouver tout est au max. Hein, Ferritor, nourriture T2. Là, on a notre petit labo, celle-ci. Le recycleur. Là où ça permet de fabriquer des graines d'arbres, manipulateur d'ADN. On va retrouver différents biodômes T2. Hein, j'en ai trois sur celle-ci. Tout un tas de codes, bien sûr. On a les épandeurs T2, on a le collecteur de gaz, donc ça peut donner des cartouches de méthane et des fois de temps en temps ça donne aussi des bonbonnes d'oxygène. De temps en temps. Donne surtout du gaz en général qui est très important, les capsules de méthane. Voilà, donc là un petit peu où l'on est. J'ai. Voyez, on va voir un petit peu les stats. Oxygène, bon, on a une bonne grosse production. Hein. De 30 millions 4 ppq par seconde, donc c'est quand même pas dégueulasse. C'est ça qui booste maintenant toute la terraformation. Le reste, c'est stable, hein, ça monte plus trop. Ah, ça monte, mais c'est pas. Et donc voilà, terraformation commence à évoluer grâce aux arbres T3. C'est là que ça commence à monter. Parce qu'au T2, ça monte très très légèrement, c'est très long jusqu'à pouvoir débloquer les arbres T3. T3 là par contre tout de suite ça commence à reprogresser correctement. Donc tout est débloqué sauf le dernier truc, la pile à combustible qui est à 578,56. C'est l'objectif, hein, c'est le dernier objectif à atteindre. On est même pas à la moitié. Et voilà, les arbres T2, les arbres T3 produisent 12 500 oxygène par seconde et 680 de biomasse. La différence par rapport au T2. C'est hallucinant. Hallucinant différence. Et donc j'en ai quelques-uns. J'en suis à 14 arbres T3. J'ai eu jusqu'à une quinzaine de T2. Et là, ça permet vraiment de monter. Hein. Donc 4 extracteurs T2, des 4 foresters T4, 8 foresters T4, 6 chauffages T4, 8 producteurs de bouffe, 6 épandeurs de fleurs T2, 3 biodômes, 4 extracteurs classiques, 8 fleurs d'ADN, générateur d'algues, 4 générateurs d'algues, biolab. Collecteur d'eau, on a encore, il me reste encore quelques piles forestées 3, mais bon. Et j'ai 3 réacteurs nucléaires T2 et 3 générateurs à fusion nucléaire. C'est ça qui est surtout maintenant notre source d'énergie. Je viens d'en rajouter. Et donc, on va regarder un petit truc. Hop. Voilà un petit peu déjà niveau végétation ce que ça donne. On va monter sur la station, ça permet de mieux voir. Voilà un petit peu les arbres, j'en ai mis partout. Alors j'ai dû au début, moi j'avais mis plein de trucs comme sur mes T2, je les avais mis tout autour, sauf que c'était impraticable. C'était une vraie forêt vierge, on ne pouvait plus avancer, je voyais même plus la base. Elle était totalement cachée par les arbres, parce que vous voyez, ils montent assez haut. Je voyais même plus cette plateforme-là, je voyais plus rien, donc du coup je les ai retirés et je suis allé les mettre vraiment loin parce que ils ont une zone d'influence beaucoup beaucoup plus importante que les épandeurs T2. Donc un truc, ça permet de vraiment couvrir une zone très très large. Et comme j'en avais mis, il y en avait 5-6 qui étaient là, mais c'était franchement, t'avais à peine à passer entre les arbres, tellement c'était serré en végétation. Et que là, vous voyez, j'en ai mis jusqu'à là-haut. On a tout, il y en a aussi loin par là-bas, il y en a dans la partie désert là-bas. Il y en a vraiment un peu partout. Donc tout de suite, ça rend la planète un peu différente. Le petit souci par contre, c'est quand vous avez des météorites qui tombent, notamment les météorites de super-alliage, bah, c'est un peu plus compliqué pour réussir à récupérer un peu de super-alliage. Heureusement qu'on a une mine qui produit du super-alliage. Donc ça compense un peu. On est moins tributaire effectivement des météorites. Donc voilà un petit peu. Et vous voyez, ça c'est celui que j'ai mis là, a priori. Il couvre quand même une bonne grosse zone. Une zone assez large.
J'en ai mis un autre par là, donc des types de graines différentes, donc végétation un peu différente, il y en a un là. Et j'ai commencé à en mettre aussi un petit peu dans les zones un peu plus éloignées. Il y en a un tout au fond là-haut, que j'ai mis il n'y a pas longtemps, celui-là. Et vous en avez un là. Donc ouais, ça change, ouais. Vous voyez tout de suite, la config... ça change bien un peu la carte. Commence à être bien boisé un peu partout, à nous faire des belles petites forêts. Et c'est ça qui fait vraiment booster la production d'oxygène maintenant, qui fait changer les choses. Le palier à sec est très 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 long quand même. Et il commence seulement à augmenter maintenant vraiment grâce à tous les arbres T3 que j'ai fait. Donc on va continuer justement à faire des arbres T3. Mais c'est vraiment eux qui font évoluer un petit peu. Stade d'insectes. Alors j'ai pas trop vu d'insectes encore, mais bon, on est quoi? On doit être peut-être à 20%, donc. Et puis je dis ça. Bon, ça c'est juste des particules. J'ai pas encore vu d'insectes. Donc j'ai retiré par ici parce que je pouvais même plus accéder à la base. Il y avait des arbres partout, c'était infernal. Le petit souci des arbres, c'est que bah, du coup on voit plus les rochers à zéolite. Donc mettez-les pas trop dans des zones où vous n'avez pas encore bien, bien fouillé pour pour les zéolites. Hein, parce qu'il vous faut quand même de la zéolite justement pour construire les épandeurs. Donc voilà un peu où on est. Le prochain cap, donc c'est de débloquer la pile de fusion machin là, pour pouvoir la mettre dans les vaisseaux, parce qu'il y a des réacteurs dans les vaisseaux. Qui demande ces puces-là, et apparemment, quand vous mettez ça, vous allez ouvrir des portes particulières dans les vaisseaux. Voilà, voilà de ce que j'ai lu. Et voilà où on est du tap insecte. 27%. Ça monte d'un petit d'un 0,01 toutes les 2-3 secondes, on va dire quoi. Donc très très long. Très 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 long. Donc on va continuer à se faire à construire des épandeurs tout simplement. Continuer à booster un peu ça. C'est le meilleur moyen de continuer à bien évoluer dans cette phase-là. Et donc pour faire des épandeurs T3, il nous faut un super alliage, échantillon de bactéries, écorce d'arbre et surtout deux engrais T2 et la zéolite. La zéolite, j'ai encore un peu de stock normalement. Ouais, j'en ai encore un petit peu. Encore de quoi faire quelques épandeurs en plus. Le gros truc, c'est surtout de produire vraiment les engrais. Bon, c'est plus ça au final. Bon, l'avantage avec des fabricateurs de nourriture T2, c'est que ça produit beaucoup, beaucoup plus vite. Enfin, c'est toujours un peu dommage de devoir en mettre la graine à chaque fois, mais c'est comme ça. Pensez à prendre un peu de graines. Donc on utilise quand même un certain nombre. Alors, il va falloir relancer la fabrication de graines d'arbres justement, parce que j'ai utilisé tout mon stock, je crois. Parce que je... Il me reste encore une, ça c'est de mes arbres T2 quand je les ai retirés. Il me reste encore une, mais il faut lancer d'autres du coup. Alors, pour ça, il faut une bactérie mutagène. Je ne sais plus si j'en ai encore des bactéries. Ah, mais j'ai aussi la zéolite encore là, tiens. Est-ce que j'ai une bactérie? On va chercher des algues. Bon, j'ai la bouffe. J'ai plus de bactéries. Il va falloir chercher des algues et de l'eau pour faire des bactéries. Bon, c'est juste à côté, c'est pas gênant. Hop. Petit peu d'eau.
tempête. Hein. Ça, les tempêtes, il y en a toujours par contre. Hein. On n'a pas trop évolué par rapport avec le climat. Avec la terraformation. Je me trompe, j'ai pris l'habitude sur l'autre partie d'aller là. Sauf que ici, c'est là. Alors, donc, on va commencer par faire quelques bactéries parce qu'on en aura besoin de plusieurs de toute façon. Il va falloir faire une bactérie mutagène, il faut du soufre. Du soufre, il faudra sûrement retourner en chercher encore. C'est quand même, pour moi, c'est l'une des plus grosses ressources, le soufre. Voilà, le soufre. Et il nous faut une graine. J'ai utilisé toutes mes graines normalement d'Orema. Donc on pourra plus faire du 150. Plante volnue, j'ai jamais vu. Je sais pas d'où ça sort ça. Donc on va devoir faire des graines de 125. En gros, c'est avec tout, un peu toutes les autres sortes de graines qui existent. Les deux grosses graines qui arrivent à 150 de multiplicateur, c'est avec soit la plante Orema, soit la plante volnue. Les Orema, c'est des plantes que j'ai trou qu'on trouve qui poussent dans la nature. Après, au fur et à mesure de la terraformation, peut-être qu'on pourrait essayer d'en trouver d'autres. On se contente les différentes plantes qu'on a. On va faire ça aussi. De toute façon, je lance la fabrication de la graine. Ça demande un petit peu de temps. C'est le mutagène qu'il faut. Allez, voilà, on démarre le séquençage pour ce temps-là. Ça va faire le taf. Et on va retourner récolter les algues. Parce qu'il nous en faut pour l'engrais. Sera déjà pas mal. Prend un petit peu de flotte. Il nous faut donc ce que j'ai encore deux comme ça. L'aubergine. Voilà, donc là on a deux engrais. On va pouvoir les transformer en engrais T2. Pour le T2, il faut la courge, du méthane, une algue et l'engrais. Il me manque du méthane. Ça en a reproduit encore un peu. On a reproduit encore un peu. Ça produit assez vite en fait, ça, le méthane. Voilà, on a nos deux engrais T2, donc avec ça on va pouvoir faire. Peut-être faire une petite bactérie. Ouais. Voilà. Donc, il nous faut un super alliage, une zéolite. Une écorce, c'est bon. Et une zéolite. Ici, on va peut-être laisser ça là. Ça vous bouffe beaucoup l'aubergine en fait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas remplacer un des trucs par l'aubergine? Peut-être pas besoin de produire autant de ça, mais plutôt de l'aubergine. Ça, j'en ai un stock déjà. Ok, bref, donc là il manque juste la graine. Tant qu'à faire, autant mettre la graine en même temps. C'est pas prêt encore, mais j'en ai une sur moi. J'en ai une qui était rangée. Voilà, hop, on va y mettre ça. Alors, où est-ce qu'on le pose, ce petit épandeur en T3? Allez, on va avancer un peu. Peut-être boire. Ouais, bon, je bois en chemin. Donc oui, j'en ai déjà mis un peu pas mal un peu partout. On va commencer à se faire la zone à lui là. J'en ai mis aussi un petit peu par là-haut. Et donc ça, c'est là où il y a des zéolithes.
Et j'en ai mis un en bas, il me semble. Il me semblait que j'en avais mis un ici. Bon. Croire que non, ou peut-être un peu plus loin. Allez, on va mettre ici. On met une autre petite graine dedans. Et c'est parti. Il va commencer à nous produire de l'oxygène et de la biomasse. Il semblait que j'en avais posé un dans par ici. On va faire le tour quand même, voir si on voit pas des éolithes. Avant qu'on ait foutu de la végétation partout. On va continuer à chercher un petit peu. Tiens, un blind juste ici. Ah non, ça c'est un autre truc. Parce que ça brille pareil. Oui, de l'herbe, il y en a un peu partout maintenant. Hein. Et il n'y a pas besoin d'avoir des épandeurs particuliers par ici. Avec le temps, ça se propage tout doucement. L'avantage de la nuit, c'est qu'on les repère mieux. Mais bon, faut qu'il y en ait quand même. Hein. J'en ai déjà récupéré pas mal, donc. Pas sûr qu'on en trouve encore beaucoup. Après, je suis pas allé partout, partout non plus encore. Donc, on pourra mettre des épandeurs par ici aussi. Alors, il faut qu'il y ait certains rochers. Il n'y a pas trop ces rochers-là, il me semble, dans le coin. Voyez, de l'herbe, il y en a même là-haut. Bon, ça, c'est les bords de map, hein. Il n'y a rien par ici, hein, vraiment. Mais ici, on pourra se faire un petit oasis, mettre des arbres pareil tout autour. Voilà, en tout cas, voilà, on est sur des étapes maintenant qui sont très très longues. Peut-être que plus tard, ils rajouteront des outils qui permettent d'accélérer un peu ces étapes-là. Ici, il y a un radar. Je n'ai pas ouvert, tiens, celui-là. Panneaux solaires qu'on peut déconstruire, normalement. Et ici, il y a quelque chose. Il y a un bunker. Celui-là, non, je l'ai fait. Ça c'est un petit celui-là. Bon, il y a tout un tas de plombs dedans que je vais pas récupérer. Toujours un petit truc à lire si vous voulez. Ça on peut pas les déconstruire tous ces trucs-là. Je crois qu'il y avait quelques graines aussi là-dedans. Il y avait 2-3 bunkers, mais des petits. C'est un petit des bunkers beaucoup plus grands. On regarde surtout si on ne voit pas des rochers avec un blazer 8. Ah, il y a un petit coffre ici, je sais pas si je l'ai fait celui-là. Donc il faut tourner hein, pour bien voir la zéolite. Hein. Donc là on est de la zone, on est à la zone de la mine uranium. Hein. J'ai pas besoin d'uranium.
J'ai récupéré toutes les barres quand j'ai déconstruit une partie des réacteurs T2. Donc c'est 3 barres à chaque fois, donc je pense pas en avoir besoin. Mais autrement, voilà, il y en a encore là. J'ai même pas récolté tout ce qu'il y avait ici. Il y a une mine T2 qui en produit au besoin. Dommage qu'on puisse pas les virer directement comme ça, faut que tu les prennes et après que tu les vires. On va en emmener quelques-uns, histoire de. Donc voilà où mettre votre mine uranium. Soit vous passez par le petit passage qui est ici, ou vous voulez tout le tour comme j'ai fait, hein, c'est possible. Mais autrement, vous avez un petit passage juste là. Et autrement, l'autre chemin, c'est tout simplement par la zone de soufre. Vous longez le mur. Attends, regarde s'il n'y a pas des œufs qui traînent quand même en passant. Vous longez toute la falaise. Et vous arrivez sur une des grottes. Pas la zone de soufre, non, je dis bêtise, pas la zone de soufre. C'est la zone où vous avez les pics, les grands pics de pierre. Et là, vous avez une mine avec de l'osmium ici, de l'iridium, du soufre. Vous avez un petit coffre. Cette zone-là avec les pics, juste après la zone aluminium. Donc il y a plusieurs façons d'aller à la zone. À la zone pour l'uranium, et c'est derrière vous, là-bas, vous avez plein de trucs intéressants, justement, à looter. Alors après, c'est difficile avec la végétation, hein, c'est difficile de se retrouver. Hein, si vous connaissez pas bien le chemin, vous n'avez plus trop de champ de vision. Hein. Fois qu'il y a des arbres partout, ça complique un peu. Donc on voit comment la planète a changé depuis le début, c'est quand même vachement sympa. Et quand je parle de forêt vierge, bah quand vous avez que des arbres comme ça qui sont entassés partout, vous pouvez y aller. Genre comme ça, là, c'est sympa. Donc c'est pour ça que j'en ai retiré tout autour de la base, c'était pas possible. J'en ai trop, peut-être se faire une barre, prendre la place. Bon, j'aurais pas dû prendre de l'alu parce que normalement j'en ai des stocks pas possible. Voilà, c'est plein d'alu. J'en ai plus trop besoin au niveau en osmium rarement aussi. Là, ce qu'il faut, bah, c'est continuer à produire des arbres, tout simplement. Donc, nos petites graines doivent être prêtes. Voilà. Graines 125%. On peut déjà foutre une plante dedans. Et puis, bah, faut refaire une bactérie, Voilà, farmer, farmer, farmer. Continuer à produire des engrais, des graines d'arbres. Il faut du méthane, parce que je pense que c'est bon. On peut créer mon mutagène. Voilà. Et puis bah, on remet une graine en fabrication, une graine d'arbre. Une graine d'arbre, bah des écorces, et puis le mutagène. Et là, on fait rechercher.
Et démarrer le séquençage, ça me produira ma graine d'arbre. Donc ben, on va voir s'en faire un nouveau. Il faut aller rechercher l'huile des algues qu'il y a ici. On a déjà un engrais de prêt, on va manger un coup. Ça fera de la place. Il nous faut ça, ça. Ici, on a une aubergine. Et on a encore des algues. Voilà. On va chercher de la flotte. Hop. Et il nous faut plus d'aubergines. Bon, là, ça doit être bon. Engrais T2, il me faut encore du méthane. Mais là, ça produit quelques dioxydes d'oxygène. Alors, généralement, c'est plutôt quand même du méthane hein, que ça produit. Bon, on est où 308? Ouais, ça monte bien. La formation monte bien, donc on devrait débloquer la pile à combustible. Il reste à voir ce qu'il faudra. On a 30% du stade insecte. Très très long le stade insecte. Voilà, donc là on est bien. On va pouvoir les reposer en épandeur. Voilà, est-ce que j'ai bien tout? Oui, il me faut une écorce. Et on a notre graine, donc on va pouvoir tout poser directement. Ok, où est-ce qu'on le met celui-là? Est-ce qu'on retourne tout là-haut pour le mettre? Je sais pas. Après, il faut bien trouver une zone un peu dispo. On va faire à l'oasis, là, qu'on avait dit. Près de l'arche. Enfin, de la Stargate. Stargate qui est vers là-haut. Ici, j'en ai pas trop mis. Ici, je pourrais en mettre un par ici. Parmi les rochers, on pourrait en mettre un. Genre ici. Là. Et la petite plante qui va avec. Voilà. Et ça devrait couvrir une bonne partie de la zone là. C'est touffu, hein. Alors on pourrait encore lancer des missiles pour augmenter, mais par rapport à la production d'arbres, c'est plus intéressant de faire les arbres que les missiles maintenant, pour les fusées. Qu'est-ce qu'on fait? On n'irait pas plutôt d'abord essayer de récupérer du soufre. Aller aux mines de soufre. Le soufre, on consomme une quantité pour faire les engrais, pour faire les mutagènes. On pourra en mettre un par ici. Il faut garder l'accès disponible à ça. Donc ça, c'est notre petite mine à osmium. J'en ai pas besoin. On va laisser ça comme ça. Et nos deux mines de soufre.
Bon, ça produit plus ou moins des fois. Des fois, il n'y a quasiment pas de soufre, puis des fois, comme là, il y en a pas mal. Je m'en bute plus, tu vois bien. Partout là, ça sert à rien. J'ai plus besoin de la plupart de ces trucs-là, donc je les laisse par terre. Voilà, ça va comme ça. Là, vraiment, ouais, c'est ça, c'est des algues, du soufre et du méthane qu'il nous faut. En grosse partie, puis de l'azolite, mais bon, ça c'est le caractère vraiment limitant, c'est l'azolite. Hein. On peut pas la récolter, l'extraire. Oui, à mon avis, il doit y avoir un nombre limité sur la partie. Et il faut réussir à trouver les rochers sur lesquels il y en a. Quelques algues en passant. Il nous faut de l'aubergine, une courge, deux méthanes. Peut-être qu'on devrait supprimer. J'en ai quoi? J'en ai deux qui produisent de ça. Ça, il nous en faut pour faire les grès T2, donc il nous en faut quand même un peu. Ouais, bon, je pense que j'ai pas mal, niveau courge. Alors après, on pourrait construire plus de trucs hein, si on veut vraiment accélérer à mort là, le processus. Mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on a deux engrais classiques. Ici on avait quoi déjà? La graine. Peut-être poser des bouteilles d'oxygène, ça prend de la place pour rien, une seule sur moi me suffit. On pourrait transformer tout ça en nuggets de plastique. Ça ferait de la place. Il faut juste de la silice et de l'eau. Comme ça, pas grand-chose en soi. De toute façon, il va avoir cherché de l'algue. Le méthane, ça dit quoi? Il y en a déjà 3. Les algues, il en faut pas mal. Hein. Pour les mutagènes, pour les bactéries, pour les engrais. Faut pas hésiter à en mettre plusieurs. J'en ai 4, c'est plutôt pas mal. Récupérer les courges. Encore en méthane. Ça pousse bien. C'est déjà 82%. Tout le monde est collecté, ça va. Donc on les fait deux par deux à chaque fois. Je pourrais faire peut-être un deuxième producteur de méthane. Peut-être. Voilà, nos deux engrais. Que ça finisse de pousser, mais là on peut déjà faire notre truc. Il faut une zéolite, un super alliage et les écorces, puis bah, la graine aussi. Hein.
on met une nouvelle en fabrication. Il me faut de l'eau. Du méthane pour faire le mutagène. Ouais, bon, on en a plus. Ah, j'avais dit que je mettrais. Où est-ce qu'on a dit qu'on la mettrait, celle-là? Pourrait très bien mettre dans la falaise là, mais ça va me gêner quand je vais accéder pour accéder à Oumi là. C'est pour ça que je n'en ai pas mis là. Mais c'est mon passage libre sans arbre. On dit qu'on pourrait peut-être en mettre une autre par ici. Ça sera une végétation différente, donc ça peut être sympa. Et ça, c'est le pod d'arrivage. Quand on choisissait la première option d'atterrissage, c'est celui-là. Celui de la démo qu'il y avait sur la démo du jeu. Va peut-être en faire un deuxième quand même. Ouais. Il faut quoi pour faire un deuxième? Trois super alliages. Ah, deux zéolithes, hein, c'est cher en zéolithes hein, pour faire ça quand même. Je préfère faire des épandeurs, hein, quitte à attendre. De toute façon, il faut attendre un peu, donc autant garder nos zéolithes pour faire des épandeurs. Vu que c'est pas renouvelable. On peut toujours. Tiens, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. On va pouvoir faire deux nouveaux engrais. Mais à un moment, t'as plus l'impression de faire que ça. Aller chercher de l'air, récupérer le méthane, récupérer le soufre. Ça ira comme ça, je pense, pour le moment. Bon, bah, on attend. Hop, on va lancer une autre graine. Peu importe, hein, on a eu plein de graines, des graines à 400%, ça change rien de toute façon, on n'utilise plus. Il nous faut l'écorce, une écorce, et puis il va nous falloir du méthane pour faire le mutagène.
Et on démarre le séquençage. Parce que les éolithes, il me reste combien exactement? Ouais, que je peux peut-être quand même en utiliser deux pour faire un nouveau truc de méthane, ça m'en laisse encore 6. Et peut-être que je peux réussir à en retrouver quelques-unes après. Ouais, on va faire ça. Les trois nuggets, je crois. Et une barre d'iridium. Est-ce que j'ai une barre d'iridium? Ouais, une barre d'iridium. Ça sera un petit peu mieux. Ça évitera d'attendre de trop. Alors, ça dit quoi? 335. On est à la seconde île bien augmentée. On est à 33%. Bon, on verra peut-être que une fois qu'on aura les piles machin, le fait d'activer les trucs, peut-être que ça va booster quelque chose, je sais pas. Bah. En tout cas, voilà, c'est bien sympa. La planète est devenue bien jolie. Beau ciel bleu, des petits nuages, de l'herbe, des fleurs. Et plein d'arbres maintenant. Reste à voir après ce qu'ils nous font comme évolution du jeu. On jette un petit œil, voir si on ne retrouve pas de l'azolite quelque part. Peut-être dans le canyon, on ne sait pas. On va refaire un petit tour de la zone. Y a des arbres qui ont commencé à pousser un peu partout. J'ai quand même check toujours parce que je les ai peut-être pas forcément toujours tous faits. Vérifie qu'il reste pas quelque chose dedans. Alors je devrais là m'en débarrasser. Je me demande s'il y a moyen d'accéder vraiment là-haut. Je suis pas sûr. Pas sûr qu'il y a moyen de laisser. Avec le jetpack tout seul, je peux pas. C'est sûr, c'est les gens de rochers là que des fois on peut avoir la zéolite. Il faut tourner un petit peu pour vérifier. Des fois aussi, dans les cavernes, il peut y en avoir un petit peu. Il peut y avoir une plante ou deux, donc pas hésiter à rejeter un oeil dans les cavernes déjà visitées. Bon, là, après, on est sous l'eau, donc maintenant. Je suis pas sûr que il y en ait encore de l'osmium ici. Et ici, il y a une autre zone. Hein. Par là-bas. Il n'y a pas grand chose là, on arrive. On va regarder vite fait. Mais bon, c'est le canyon là, c'est la zone Lucra. La deuxième zone de départ qui est là-dedans.
Est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas? Pas de rocher, pas de rocher, pas de zéolithes. Ah, là, il y a les zéolithes. Du coup, hop. Voilà de la zéolithes. Donc la petite arche, machin, la petite arche, et en dessous, vous avez des zéolithes qui poussent. Ça va faire un peu d'oxygène quand même. Non, ouais, ça c'est cool. La puce, ça nous sert plus grand chose, mais on la prend pour peut-être plus tard nous servira. Alors normalement j'ai une bicoque qui traîne pas très loin. Mais après avec la végétation, tu commences à avoir un peu de mal à aller voir les trucs. Donc là, pareil, un petit satellite, vous pouvez récupérer des trucs dedans. Dépêche-toi, j'ai mis une bicoque là, normalement. J'ai pas mis la bicoque dedans? Ah, c'est un vrai problème, ça. J'ai pas mis une bicoque. Oh, bah, très, c'est ballot. Bon, on va crever, hein. C'est sur mon autre partie, j'en avais mis une ici. Mais sur celle-là, je ne l'ai pas mis à part. C'est pas grave. L'avantage de d'entendre Max, c'est que vous ne perdez pas le stuff. Vous crevez, mais il n'y a plus qu'à venir récupérer votre corps. Contrairement à la partie. Ouais, salut Spirit. Ouais, parce qu'elle est quand même beaucoup plus avancée. Hein. Et au final, on va récupérer notre corps. Tu vois, regarde où j'en suis à 349 GTI sur celle-ci. J'ai blindé d'arbres épandeurs T3, mais en fait, j'ai laissé tourner la partie à vide, hein, pendant un certain temps, hein, pour arriver jusqu'à l'épandeur T2, hein, T3. Le mode difficile, finalement intense, il change pas énormément. Il est un petit peu plus dur, on va dire, au début, parce que t'as ta consommation de bouffe, vie, eau et puis oxygène qui part un peu plus vite. Mais après, finalement, bon, à part en cas de mort, mais si j'étais sur l'autre partie, je ferais beaucoup plus gaffe que ça. Mais autrement, bon, finalement, ça change pas grand-chose. Donc celle-là étant bien bien avancée, et je préfère la configuration de la base. Mon corps, il doit être par là-bas. Et ici, il y a des arbres partout, les gens. Je ne sais plus, c'est ça qui doit pas être très très loin. Il est là-bas. On cherchait toujours de la zéolite. Hein. Par contre, ouais, je suis quand même toujours pas fou d'oxygène. Je vais prendre une paire de capsules d'oxygène au cas où, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Je vais te montrer un petit peu en se mettant vraiment en hauteur.
Les arbres, il y en a là jusqu'à là-haut, par là-bas aussi. Là, t'en as jusque là. Ici, j'en mets pas parce que je vais pouvoir accéder facilement aux grottes de ressources où j'ai mis mes extracteurs. On est poussé jusque dans le désert là-bas. J'en ai mis aussi par là-haut et dans le canyon à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils agissent sur une très grosse zone, les T3. Au début, j'avais tout groupé. Et c'était une vraie forêt vierge. Tu pouvais même plus passer. Tu voyais plus la base de lancement. Tu voyais plus la base. Rien du tout, quoi. Tellement il y avait d'arbres comme ça partout. Et ils sont très très hauts en plus. Il faut vraiment pas hésiter à répartir un peu. On va se faire une super engrais, tiens. On récupère un petit peu. Voilà, comme ça on aura notre mutagène pour la prochaine graine. On va manger un coup. Hop, le haricot magique. On a deux nouveaux engrais T2. La puce, je vais la poser. On la laisse de côté au cas où pour une future mise à jour. Bon, on récolte déjà nos aubergines, toujours continuer à produire de l'engrais en masse. Aubergine, c'est la vie sur ce jeu. Ça, il en faut un quand même aussi. Du coup, je disais ça, on peut peut-être se faire tout de suite un troisième engrais. La graine doit être prête. Voilà, on va lancer une autre en fabrication, le mutagène et la graine d'arbre. Voilà, donc là on a suffisamment d'engrais pour faire deux nouveaux épandeurs T3. Il me faut une plus, on va aller rechercher des algues et de la flotte pour faire une autre bactérie. La barre d'uranium, on va peut-être la poser. Hein. Avec les autres. Il faudra deux zéolithes aussi. On va d'abord récupérer les algues. De la flotte. Ok, donc il va nous falloir un super alliage en plus pour poser les deux. On a nos deux, on a deux à chaque fois. Une graine de chaque, et il me faut la graine d'arbre. Il faut attendre la graine d'arbre et puis il me faut un autre zéolite. Est-ce qu'on fait un engrais tout de suite? On va faire l'engrais, ça va dégager. On récupère une zéolite.
Ça. Ok. Ok, c'est pas mal comme ça. Ça en est où la graine? 44%. Bon, on va attendre. Un petit souffle. Courge et du méthane. Une courge, j'en ai une qui est prête. Et du méthane, on va repartir, on va rechercher. Hein. C'est bon. Voilà. Ah, t'as soif, et bon, on va boire un coup. Du coup, on peut en faire trois maintenant. C'est les graines hein, qui sont un peu longues. Les graines d'armes sont un peu longues, obligé d'attendre. On va pas construire un deuxième manipulateur là-dedans parce que ça coûte des ressources hein, quand même. Il faut quand même encore un quartz pulsé. Le quartz pulsé, du coup, il faudra de la zéolite. Donc, autant garder la zéolite pour faire les arbres, pour faire les épandeurs. On va juste attendre, laisser passer un peu de temps, puis c'est tout. Bon, on avait plein ici. Ici, on a du soufre. Ah, bah, c'est cool, ça. On va le mettre là du coup. Donc on aura encore après 6 zéolithes. Sur ça on est bon. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Là bon, il n'y a rien de particulier. À la limite, on pourrait les transformer en nuggets, ça ferait de la place, mais bon. Je vais récupérer d'autres graines d'arbres, d'autres graines d'écorce. Ça fera un peu de réserve. Ok, elle est prête. Et ben, on va aller placer nos deux nouveaux épandeurs. On va aller vers l'arche. Il manque encore à peu près 200 pour la pile fusion. 200 GTI de terraformation, puis après on aura débloqué le dernier truc. Alors ici ça a déjà commencé à bien pousser. On jette toujours un oeil si on voit pas une zéolite qui traîne quelque part. Ici, il n'y a pas des gros rochers en général. Écoute, on va en mettre un ici. La petite graine. Et puis on va en mettre un de l'autre côté. Ça ferait une jolie petite oasis.
Ça commence à en faire un paquet, hein, des pondeurs Tetra. Hein. Donc ça, c'est où on était tout à l'heure. Non, c'est pas ici, c'est un autre endroit. Ici, il n'y a rien de spécial. En fait, je crois qu'il y avait peut-être un coffre, c'est tout ce qu'il y avait. Je sais pas s'il y a quelque chose là-haut. On va jeter un œil. Je serais pas con de trouver une petite fleur spéciale, des fleurs à 450% qui permettent de faire les graines d'arbres à 150. J'aurais pas trouvé des masses, hein. J'aurais dû en trouver peut-être 3-4. Alors ici c'est vide de chez vide. Peut-être plus tard il y aura quelque chose, mais dans l'immédiat c'est vide. Allez, une petite zéolie pour la route. On va passer de ce côté-ci, tiens. Donc là, il y a le bunker de tout à l'heure. Il aurait pu ici avoir une zéolite. Le rocher était intéressant. Mais ici, c'est vide. J'en ai déjà récupéré dans le coin, donc je pense pas qu'il y en a encore beaucoup. C'est vraiment très limité. On tourne. De toute façon, on a le temps, il faut le temps que l'oxygène se continue à se produire pour monter la terraformation. Donc on se balade. J'ai peut-être pas vu cette caisse-là. Je suis joué. Donc ça, c'est vraiment la zone de fin. C'est vraiment le truc à explorer de fin, ça. C'est là où vous allez trouver plein de trucs. Il ne faut pas le faire trop tôt. Parce que si vous faites trop tôt, vous n'aurez pas toutes les ressources. Vous avez un bunker et puis vous avez des petites cabanes à visiter. Et plus vous faites partout dans les zones dans le jeu, bah moins vous aurez des loots intéressants. Et notamment les loots endgame, le quartz pulsé, de la zéolite, des trucs comme ça, quoi, des trucs vachement intéressants. Faut pas se précipiter dessus. Là, il y en a une zéolite, mais j'ai déjà récupéré.
Non, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, qu'on a dû récupérer, peut-être qu'il y a une paire qui sont cachées encore quelque part, mais je pense qu'on a récupéré la majorité des éolithes. Hein. Ici aussi, mais c'est fait. Pareil. Pareil. Ici aussi. Il y en avait pas mal dans cette grotte-là, des éolithes. Là aussi. Un petit peu gentiment l'oxygène. On est reparti. Bon, on va rentrer, hein. On a bien refait un peu le tour, bon là il y en avait. On va se contenter des dernières qui nous restent. Peut-être qu'avec un coup de bol de temps en temps on tombera sur une dans un coin, mais ici j'en ai pas trop vu dans cette zone-là. Dans la zone à lui, parce qu'il n'y a pas les rochers particuliers, c'est un autre biome donc. Il faut vraiment des rochers là, dans ce genre-là, apparemment. Comment ça va des petits frises avec toute la végétation? Dix. Voilà, bon, ce qui fait plaisir, c'est que ça monte bien. L'oxygène, on est à 39 millions. 39 millions 800 de production. On est à 38%, 39% du seuil insecte. Ça va être très très bon. On lui va falloir laisser tourner le jeu comme ça tout seul pendant un bon moment. Et là, 578, on a encore besoin. D'accord, là on avance bien vite. Hein. Grâce aux arbres, on avance super vite. Alors, j'avais encore deux engrais. Allez, donne-moi du méthane. On avait vu que j'avais les bactéries qui traînaient. Ici. Va nous falloir des oeufs, il faut aller chercher du zag de toute façon. On va manger, on va récupérer nos aubergines. On récupère un peu tout. On va manger ça. On plante. Ça, c'est fait. J'ai une graine en cours, non? J'ai plus de graine en cours. Il va falloir en lancer une.
Mutagène, écorce, fleur. Et on va aller chercher des algues. Quelle surprise! Et on est plein. Forcément, il manque une. Alors, deux nouveaux engrais. Deux nouveaux épandeurs qu'on peut faire. On a les échantillons qui vont avec. On a les deux super alliages. Maintenant, il va manquer les graines. En attendant que les graines se fassent. On va, je pense, aller récupérer du soufre. Crois que je peux passer par là aussi? C'est pareil. Est-ce que j'ai besoin de farmer encore d'iridium? En immédiat, non. On a nos deux mines qui tournent. Je peux peut-être virer justement ce qui n'est pas de l'iridium dedans pour laisser de la place à l'iridium. On va mettre ça et tout le reste qui est là. Comme ça va stocker ici. La décharge. La décharge de ressources. Il faudra peut-être que je refasse un peu le tour parce que peut-être qu'ici peut y avoir de la zéolite. Je crois que j'ai déjà récupéré aussi. Il y a quelques rochers dans le coin, avec un peu de chance. Il y en avait une là. Y en avait une là aussi. Il y a toujours la glace, il y a toujours des petits bouts de glace qui restent malgré tout. Ici, je crois qu'il n'y a pas de gros rochers. Peut-être dans la zone tempête, par contre, là-haut. Ça serait intéressant d'aller voir. On va aller à la zone tempête, tiens, je prends un petit coup d'oxygène, c'est tout. J'aurais dû attendre, mais c'est pas très grave. Ouais, ça frise. Hein. On voit que le jeu commence à être surchargé un petit peu. Ah, bah y'en a une là, bah voilà. On a fait de venir. Et la zone tempête. Peut-être qu'il y a quelques rochers, peut-être qu'il va y en avoir.
Cool. Ah, ça en fait déjà deux de plus. Du super alliage, hein. Dans toute cette zone-là, tout le long comme ça, il y a du super alliage. Ah, c'est ça va vite, hein. Ça va avec. C'est là qu'ils produisent énormément certains trucs. Mais les trucs qui consomment pas mal hein, quand même. Alors, il y a une grotte là-dedans. Dans la tempête, il y a une grotte, un endroit. Bon, je l'ai raté. Ah bah il y en a encore un là. Je fasse gaffe parce que j'ai inscrit. Non, j'ai plus de bonbonne après, donc envoyez-moi le moins. On y retournera à la grotte. On va voir s'il n'y en a pas dedans. Bon, je pense que c'est pas mal. On va retourner chercher de l'oxygène. Non, c'est cool, on va trouver encore. Encore quelques-uns. Les arbres, ils consomment pas. Les épandeurs T3, ils consomment pas mal d'énergie. Hein. Pas où t'en es, si tu les as ou pas déjà, mais ils consomment 193 énergie. Bon, ça va. Non, pas ça. C'est pas ça. Si, c'est ça. 193. Oh, ça va. Ça va. Mais c'est sûr que dès que tu commences à avoir ton premier réacteur à fusion, là, tout de suite, ça fait plaisir quand tu vois là, le surplus. T'en as un qui te sert quasiment, qui tient toute la production énergétique de ta base au début. Plus maintenant, parce que maintenant j'ai construit tellement de trucs. Mais j'étais quoi? Quand j'ai eu mon premier, j'étais dans les 1800 et c'était à peu près ce que produisait le générateur à fusion. Donc ça faisait tout bizarre. T'en fais un deuxième, hop, t'as autant de capacité encore, mais après ça part vite. Voilà, mes 19 épandeurs T3, ils me consomment 3667. Donc ça commence quand même à chiffrer un peu. Il me reste plus que 363, tu vois. Okay. C'est pour ça que j'ai dû refaire quelques réacteurs nucléaires T2 à un moment. Bah, Zulita sert principalement à ça, elle sert à te fabriquer ça. Il t'en faut une pour ça. Il t'en faut aussi pour les trucs de méthane, les réacteurs de méthane. T'en faut un, il faut un quartz pulsé, hein. Un quartz pulsé pour l'univateur, et il faut deux zéolithes par extracteur de gaz. Donc là, j'ai déjà quatre zéolithes là. Et puis bah, après, les réacteurs de piles. Et chez les épandeurs, pour chaque épandeur, attends, utilise une quoi. Alors, ma graine, c'est bon? Normalement, ouais. On va en lancer une deuxième. Il va me falloir bah, une. Tiens, on va en poser une. L'engrais qui traîne encore là. Ça, j'en ai récupéré, donc on peut en poser deux. D'autres mutagènes, de petites capsules, une écorce. On va prendre toutes les écorces d'ailleurs. Et ben, on va mettre voilà, une petite touche K, 400%. On s'en fout. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Peut-être qu'on va se calmer sur les pendeurs, je sais pas, on verra.
dire. On va en foutre un peu à côté. J'ai encore une de trop. On va en faire de la bactérie en attendant que ça produise le truc. Et les piles de combustible, je sais pas du tout ce que ça demandera comme source d'énergie, hein. Possiblement de l'éolite, hein, donc faudra voir. Parce qu'il faut en faire deux ou trois, au moins deux. Soi-disant qu'il y a trois générateurs dans lesquels on peut les mettre. Voilà, comme ça nous en fait déjà un petit peu plus, on peut encore en faire. Alors là, je vais déjà en faire deux de plus. Deux de plus, on va être limite en énergie, hein, du coup. Ça va pas passer, hein, d'ailleurs, on va pas avoir assez d'énergie. Hein. C'est quoi, c'est 190 qu'on a eu? Donc on va être juste, hein, on va pas pouvoir faire. Ouais, on va être juste 193, il va falloir faire un petit générateur. Bon, après, j'ai des barres d'uranium, on va faire un générateur, c'est tout. On va utiliser plutôt un générateur classique. Me faut une poule explosive. On en a. Et il nous faut de la flotte. On va en avoir aussi. On va en mettre un. Voilà, ça va nous laisser un peu de marge comme ça pour mettre un peu les bandeurs. Voilà, 695. C'est pas mal. Ok, bon, ça va aller. Du coup, je suis bon pour reprendre. Un alliage. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va peut-être voir récupérer du méthane, préparer justement une mutagène pour la prochaine graine. Quelques écorces et ça en est où? 77%. Ok. On va prendre une nouvelle graine. On va continuer sous la toucan. Peut-être un peu de bactéries ici, vite fait. On va récupérer un petit peu d'aubergine. On va se faire un petit engrais en plus. Voilà, comme ça on a de quoi, on va le transformer tout de suite. Courge, algues. Encore blague. On va déjà peut-être s'occuper de ça. 99, allez. Voilà, bon, on va les poser tout de suite nos deux trucs. Je vais peut-être manger un coup quand même vite fait avant. On récupère les courges dès que c'est prêt. On va
creuser le méthane. Et que je peux faire des... Bon, il faudra... On va poser ça, on les récupérera après. Normalement, là, je suis bon. J'ai lancé ma grille. J'ai pas lancé. Mais attends. Voilà, comme ça va se faire pendant qu'on sera parti poser nos épandeurs. Que je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il nous faut. Et c'est bon. On a un nœud de graines. Ouais. Ok, on y va. Alors, où c'est que donc on les met? Je vais boire un petit coup avant de partir. On pourrait peut-être les mettre tout simplement, tiens, dans la zone tempête. Dans la zone soufre, je sais pas si. Bon, ça peut-être pas être très joli dans la zone soufre. En mettre hein, histoire de mais faudrait pas que ça gêne l'accès à nos extracteurs donc genre on va le mettre peut-être par là-bas. On va le mettre par ici je pense. On va en mettre un là, une petite graine et on est reparti. Ici, juste là, ce sera bien. Et on va aller voir dans la grotte. Voilà. Doit être juste en face la grotte. Allez là. La petite grotte. Donc là, soufre, osmium, et puis un petit coffre. Hey, un petit quartz pulsé. Engrais, nuggets, osmium. Je n'ai pas fait celle-ci, donc forcément, j'ai des loots de fin de partie. D'où l'intérêt de vous laisser quelques caisses qui traînent, plutôt que de les ouvrir, si vous n'avez pas vraiment... et d'attendre la fin de la partie pour les ouvrir. Bon bah ici c'est mon mésolithe là, je pense qu'on avait fait le tour ici. Alors du coup, on voit toujours pas d'insectes. Je sais pas s'ils sont vraiment incorporés les insectes. Il y a le stade insecte, mais est-ce que vraiment on commence à en voir, on peut en voir, je ne sais pas. Si on a 30%, on devrait peut-être commencer à voir quelques insectes des fois. Mais ils sont sous quelle forme, j'ai aucune idée. Et est-ce qu'ils y sont vraiment déjà implantés, je ne sais pas. Assemble. Ah, ça nous en fait encore quelques-uns. C'est pas mal.
à côté, parce que j'en ai pas, j'en ai déjà toute une armoire. La petite puce, on va la mettre avec sa copine. J'en ai déjà quand même 5 puces, donc si jamais il y a des nouveaux plans avec une mise à jour, on a déjà 5 puces. Hein. J'en ai mis un petit peu, il me semble, de l'algue. Non, il me semble. Il me semble qu'on en a posé quelques-unes. Ah, Nugget, tu vas aller avec tes copines. Les deux barres roses. Hein. Voilà, un petit beurre d'iridium, c'est cool parce qu'on n'en avait plus. Quarante-quatre, ça monte quand même, hein. Ça monte, doucement, mais ça monte. 445 GTI. Ça se rapproche aussi, hein. Il manque encore dans les 130. On va y arriver, hein. On va y arriver. Puis après, on aura, je pense, vraiment fini, hein. Une fois qu'on aura fait nos piles à combustible. Ouvert les portes. Si on arrive à passer le stade inside, voir ce qu'il y a après. Apparemment, il y a un autre palier. Mais je sais pas si on peut, avec les moyens du bord qu'on a actuellement, si on peut vraiment aller vraiment beaucoup plus loin après. Et si c'est vraiment implanté des changements ou pas. En faire encore mais on va le poser tout de suite. Dis-moi de l'écorce, hop. Et puis il faut la zéolite, et puis c'est bon, on est parti. Hein. Que je le mets ici, j'ai peur que ça arrive à trop près de la base ici. Hein. C'est pour ça que j'en avais retiré, j'en avais mis. Alors, y a un truc là-haut, tiens, on peut le mettre là-haut. Y a rien là-bas. Ici, il reste de la glace. Intéressant. Voilà. On rejette un œil dans le coin si on ne voit pas quelque chose d'intéressant. Et sur ces parties-là, j'en ai c'est pas mal l'iridium encore. Hein. Mais si j'ai sur ces parties, j'ai fait tomber plusieurs météorites d'iridium, donc
Donc du coup, j'ai eu moins besoin d'en farmer. Et c'est clair que tu as intérêt à vérifier d'abord la zéolite, hein, parce qu'une fois que tu as mis les arbres, après, ça devient compliqué pour voir les rochers avec les trucs, hein. Est-ce qu'on voit des insectes? Impressionnant. Sur le sol non plus. Est-ce qu'on se calmerait pas un petit peu là sur les arbres? Ça nous en fait combien déjà? 22 épandeurs d'arbres T3 quand même. Il reste 116. De toute façon, là on a plus suffisamment de jus, il faudrait refaire encore un réacteur. Je pense que fin de 22 ça suffit. Après, il faut juste attendre, c'est tout. Pense peut-être pas indispensable d'en faire plus. On a 45 millions de production, 45 millions 457 de production d'oxygène. Je voulais, tiens, on va récupérer ça. On mange et on va lui faire un petit tour. On va boire un peu avant de partir. Et je vais retourner voir une zone où je suis allé très peu de fois. Dehors de petits trucs que j'ai manqué forcément. C'est une zone, c'est juste derrière. Ah, il y a encore un truc après l'épave et j'y suis allé peu de fois en fait. J'ai fait un petit tour, j'ai récupéré 2-3 bricoles, mais c'est tout. Celui-là, je l'avais fouillé. Donc, ça, normalement, je l'ai fouillé. Ouais, fouillé. Ah, bah, allez, là, tiens. Allez, petite zéolite. Ah, il y en a une là-haut. Peut-être une là aussi. Ouais, il y en a aussi, magnifique. Il y avait un coffre, un petit tramway, une barre, tiens, ça c'est un coffre que j'avais pas looté.
plein de éolites formidables. On n'est pas venu pour rien. Regarde dans l'eau s'il y a quelque chose qui traîne au fond. Non. Ça fait nuit, ça va pas être super pratique. Je regarde s'il n'y a pas des coves dans la flotte. Hein. Du coup les tiens, là aussi un cristal pulsé, on va prendre les super alliages ou le reste on va le laisser. Avec coffre bleu j'ai pas trop bien les voir dans le noir hein. Choisis le meilleur moment pour visiter. L'avantage, c'est de nuit, on les voit super, on les voit super bien. Ça brille vachement bien de nuit, les éolites. Mais je pense que là on est plus ou moins bon quand même. On a récupéré déjà plusieurs là sur la zone. C'est en train de s'éclaircir un peu, tiens, on va attendre. Et je vois si je trouve pas un autre coffre. À la limite, on pourrait se faire une petite baraque dans le coin. Hein. Pour un silicium. Titane, on va se débarrasser des algues. Fer. Ah, notre titane. Il nous faut encore deux fers. Alors du coup, avec les arbres, c'est pas forcément le meilleur moyen pour voir les trucs. Hein. Voilà, et on va se foutre notre petite bicoque là-haut. On va mettre genre ici, là, ça sera bien. Ça c'est bon. Continuons de fouiller. Il y a un coffre doré, mais je sais plus si je l'avais chopé déjà. Ouais. Bah, la plupart des graines, c'est juste du loot. Hein. Là, il y a une seule graine que moi j'ai récupérée, c'est les ormas. C'est des fleurs violettes que tu peux voir à partir d'un certain moment de terraformation, mais tout le reste, c'est des loots. Hein. Toutes les graines de fleurs. Oh, il y a un petit bunker là, tiens. Celui-là, j'ai pas dû le faire. Trois armoires en plus. Ah, si, je le fais ça. Rien de bon quasiment. Ah, non, j'ai pas fait. Du coup, non.
Ok, bon, directeur, plus vraiment besoin, mais bon. Ouais, c'est pas indispensable. Y a des trucs derrière? Ah ouais. Bah, les montants, ce qu'il y a là, écoute. Ah oui, t'as raison, il y a une cloison, effectivement. Tu as raison. Il y a une grotte. Ah bah oui. C'est très intéressant même ce qu'il y a. Puis au reste, tiens, on va prendre la puce au cas où pour plus tard, si jamais il y aurait une mise à jour intéressante. Le reste, on s'en moque un peu. Eh bah écoute, merci à toi. Ouais, j'en ai eu, il y en a une effectivement que j'avais déconstruit tout un mur. Et c'est là dans le bunker de la fin, dans les zones de la fin, il y a un, dans le bunker. Il y a un truc caché. Et t'as un mur à déconstruire dedans. Et c'est là que j'avais récupéré plein de. J'avais récupéré des cristaux pulsés notamment. Et dans les épaves, il va y avoir des portes à ouvrir avec les générateurs qu'il y a dans les. Bah dans les épaves. Mais il faut la pile à combustible. Et apparemment, il y a des portes qui s'ouvrent dès que t'actives. Et bon, après, pardon, c'est des loots classiques qu'il y a dedans, a priori. La même chose qu'on peut trouver là. Rien de, voilà, rien de vraiment exceptionnel, quoi. D'après ce que j'ai lu. Et je pense que pour la pile combustible, il va falloir du pulse quartzé, du quartz pulsé. Donc on va se garder un petit peu de trucs. Moi j'ai déjà un moteur là, on va mettre l'un des autres. On est blindé de ressources. Prise, mais j'aurais pas dû. On va les transformer en nuggets. Du coup, refile-moi la flotte. 3. Et il me faut la silice. Est-ce que j'ai la silice? Tiens, 3 questions. Oui. Ben non, j'ai pas de silice. 2. Et 3. Ça prendra moins de place. Va mettre ça à côté. Et le réacteur ici.
Voilà. Une sixième petite puce. Est-ce que j'avais lancé une fabrication? Oui, j'avais lancé une fabrication. Ça en fait un petit dernier? Ah bah non, j'ai dit que j'ai plus d'énergie aussi. Est-ce que je crafte un nouveau truc? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que ça suffit. On est à 491. Ça monte bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de construire encore un épandeur d'arbres? Je suis pas certain. Je pense qu'il faut juste attendre un peu. On va faire ça. On va vite y être là. Je pense pas que de construire une paire d'armes en plus, ça changera grand chose. On a 50% insectes. Encore un nouveau réacteur, c'est possible, j'ai des barres. Allez, on va créer un nouveau. Pas comme si on manquait de ressources. Il fallait 3 de flotte aussi. Et une poule explosive. Ça nous laisse du jus pour en faire deux. Allez, allons-y. On va relancer une plante. Je le fais parce que c'est surtout parce qu'il faut s'occuper le temps que ça monte. Je vais faire une bactérie. Ce sera bien comme ça. Il me faut du soufre. Et les courges.
Ok, donc là, voilà, il me faut encore un, disons, pour sûrement faire deux. Du coup, j'aurais dû prendre tout le méthane. Je peux déjà en poser un des deux. Petit cristal. Ah, je le mets au flanc de montagne, là, comme ça, histoire de. J'arriverai quand même à trouver le passage. Quarante-sept millions 332. Ça monte très très vite. Sacrée différence entre les arbres T2 et les arbres T3, les épandeurs T2 et T3 quand même. Avec les T3 ça monte vachement vite, les T2 c'était super long pour arriver au cap pour avoir les T3. Un petit haricot magique. Ah non, c'est pas plein, regarde, il reste encore rien. Bah voilà. Allez, il reste encore 60 à faire, 60 GTI, c'est pour bientôt. Bah tiens, on va voir un peu ce que ça met sur la carte maintenant. Ah ouais, ça met les arbres un peu partout. Intéressant. Du coup, on voit les arbres. C'est bien ça. Donc là on n'en a pas mis ici, ici on n'en a pas mis, mais là c'est la falaise justement. Là je viens d'en mettre un ici. Là par ici t'as l'entrée de la grotte, ici c'est une grotte. Ça c'est la zone de soufre. Là tu dois avoir le mur de tempête de sable, donc du coup. Là, on peut pas accéder par ici. Je pense. Là, ici, on ne peut pas accéder. Ou en passant par-dessus la falaise. Peut-être. Avec le jackpack, si on aurait peut-être à passer par-dessus. Autrement, ouais, on a bien mis des arbres un peu partout, quoi.
même pour 100, 65. Et ici, c'est prêt. On va même avoir de l'engrais en surplus. Et on jure, il me reste 254, ouais, de quoi en poser une. Allez les courges, on vous regarde. Ouais, il faut voir un peu ce qu'il va pouvoir ajouter comme mise à jour sur le jeu, peut-être des animaux, des trucs comme ça, quoi, des. Commencer à faire de la génétique pour faire pour créer des animaux. Les poissons, puis après j'imagine les mammifères, les oiseaux. Le but est normalement c'est de finir la terraformation pour pouvoir quitter la planète. Mais la terraformation ne sera pas finie tant qu'il n'y aura pas toute une faune, quoi. Il y a du potentiel encore. Là déjà il y a eu un bon gros boulot de fait, mais voilà, il m'a manqué toute la partie animale du truc. Il y a normalement le stade insecte, mais on sait pas. Tempête, on n'avait pas trop de météorites hein, pour le moment là. Toujours pas d'insectes qui traînent un peu. On garde sur le sol, on sait pas. Et les insectes, ils vont pas apparaître tout seuls, hein. C'est pas parce qu'il y a des arbres qu'il y a des insectes. Donc, à mon avis, il doit falloir une manipulation quelconque pour créer des insectes. Donc, c'est peut-être pas encore implanté, ça. Hein. La marque stade d'insectes, mais il n'y a pas d'outil qui permet de créer des insectes. Donc, pour le moment, à mon avis, on doit pas pouvoir les voir encore. Hein. Qu'il n'y a pas de raison qu'ils apparaissent tout seuls. Tout ce qu'on a fait, ça a fait. Tous les changements, ils sont apparus parce qu'on a fait quelque chose. Donc il n'y a pas de raison que les insectes, ils apparaissent comme ça. Il met stade insecte, mais voilà, à mon avis, il manque des trucs, quoi. Il faut attendre maintenant qu'il incorpore de quoi créer des insectes. Donc, génétiquement, j'en sais rien, mais. Je pense que là, voilà, ça sert même pas vraiment grand-chose d'aller au-delà du stade d'insecte. Il faudra attendre des mises à jour après. Allez, encore 50 à peu près. 50 outils, on sera bon. On verra ce qu'il faut pour crafter ces piles combustibles. Chantier de taille, un super alliage. Super alliage. On va poser tout ça. J'ai pas une super bactérie qui traîne. Non, j'en ferai une. Oh, bah zut, hein. Et ben, on va en faire une.
petit peu de flotte. Il nous faut une écorce. On a tout ce qu'il faut. On va aller poser notre dernier épandeur. Alors, où est-ce qu'on le met? On met quoi? On le met là? Ici, là? C'est un peu vide ici, mais je voudrais laisser la base un peu dégagée quand même. On va le mettre là, tiens. En espérant que ça aille pas trop loin. Voilà. Notre dernier épandeur. On est à 49 207 000. On n'a plus qu'à attendre maintenant d'avoir notre 576 ou 75. 578 56 GTI. Et donc on a fait 24 épandeurs T3 pour 4 632 kWh. C'est pas. On a quand même quelques réacteurs de T2 et on a trois réacteurs, trois réacteurs comme ça, trois générateurs à fusion. Sans compter toutes les éoliennes et les panneaux solaires que j'avais fait sur cette partie-là, que j'ai laissé. Bon, ça produit pas énormément tout l'ensemble, mais quand même. Ça fait 30, les 5 panneaux T1, ça fait 32,50. Les 10 panneaux T2, 195. Donc déjà, ça tient un épandeur. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Un petit tour vers l'épave, on sait jamais. Voir si on voit des zéolithes quelque part, mais histoire d'eux. Point de vue, toute la forêt là-haut, tout autour. Ah bah ici j'ai déjà récupéré. Du coup, il n'y en aura pas d'autre. Ici, au début, il y a un coffre jaune juste ici. Un coffre doré ici. Est-ce que je peux monter là? Ouais. Ah, donc tu peux passer quand même. Tu peux passer directement comme ça. Et là, là-haut, c'est la zone. C'est la zone tempête. Me semble. Non, c'est pas la zone tempête ici. Si.
Ça va être la zone tempête, ça. Ça, c'est la zone tempête, on la voit pas d'ici, mais elle est tout le long. Ça, j'ai le dernier répondeur que j'ai mis là-haut. Donc là, quand vous popez, c'est la troisième zone de départ. Ici, vous avez un pod de départ. Si vous choisissez tempête de sable comme zone de démarrage. Là, vous avez la zone de soufre avec les différentes grottes. La grotte d'Iridium, et puis par là, ça va être la grotte d'Osmium. Et ici, bon, bah, ici, il n'y a rien de spécial. Ça, c'est du bord de map. Hein. Faire un tour dans la grotte, voir si j'ai pas raté un rocher. On a déjà bien fait le tour. Il reste même un iridium ici, tiens. C'est juste une zone inondée. Allez, 548, bientôt 550. C'est là-dedans peut-être que je peux retourner un petit peu. Parce que j'ai pas trop fouillé depuis. Mais je me demandais s'il y avait moyen d'arriver quelque part là-haut. Vraiment monter tout en haut. Peut-être ici, en passant là comme ça. Et après là, ouais, d'accord, passons le décor. Allez, allez, est-ce que tu peux arriver quelque part à monter là? Tu montes, est-ce que tu montes? Non. Si, si, tu montes. Ici, ok, jusque-là ça va. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder? Il faut des paliers pour réussir à monter. Ici, on n'a rien mis particulier, on n'a pas mis d'arbre ici. Bon, ça fait des jolies vues, hein. Je pense que je vais pas pouvoir monter autre part. Et pas de. Ah, on va rester bloqué. Bon, là, on passe carrément à travers la montagne. Il y a quelques zones comme ça où tu passes à travers hein, les trucs. Hein. Ça semble compliqué pour réussir à monter vraiment.
Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose quand même. Est-ce que ça va passer? Non, ça va pas passer. Il a manqué juste un chouïa. Allez, on y est presque. T'as été long quand même, hein? Mais c'est surtout l'autre phase, la phase juste avant. Celle-là encore, ça va, on va dire. Et la phase avec les épandeurs T2, là, était très très longue. Il a fallu envoyer pas mal de fusées d'oxygène. Ou alors, il suffit juste faire tourner le jeu tout seul pendant quelques heures, quoi. C'est pas grave si vous mourrez, vous mettez avec rien du tout dans l'inventaire, vous vous foutez là. De toute façon, avec chaque fois que vous crevez, vous vous relevez. Et puis c'est tout, ça va se passer le temps comme ça. 55, 27. Allez, bientôt la pile.578. Encore 18. Et donc normalement, je crois qu'il y en a un là-dedans, générateur, il y en a un dans la grande bah, l'arche, et un dans l'autre là, je crois. Il doit en avoir un dans chacune des grosses épaves. Je crois que c'est ça. Quels ingrédients il faut vraiment pour la pile, je commencerai à préparer, mais je ne sais pas. Donc, du coup, parce que là on a quoi en stock? On a du porte-pulsé déjà. Peut-être qu'il en faudra plus que ça, je sais pas, on verra. On a de la zéolite de réserve. On a un peu de tout, hein, donc on va pouvoir gérer. On a des barres. Au pire, on peut décrafter les moteurs de fusée et récupérer des barres d'iridium. Normalement, je dois avoir à peu près tout. J'ai des explosifs. Voilà. On verra. Ça sera la surprise. Allez, encore 12. 12 GTI. En tout cas, le jeu, il n'y a pas beaucoup de bugs, hein, donc c'est quand même vachement bien pour un jeu qui vient juste de sortir en early. Tout le monde peut pas en dire autant. Hein. Il y en a qui sont fous de bugger. Hein. Là, franchement, ça va, hein, globalement. Qu'est-ce que j'ai eu comme bug? Je suis passé sous map une fois. Ça m'est arrivé une fois de passer sous map. Mais ici. Vraiment, j'ai sauté à un endroit et je suis passé à travers la map. Mais j'ai réussi grâce au F4, le débugage, à remonter jusqu'à repasser au-dessus du seuil et c'était bon. Mais autrement, je descendais machin. Je crois que je me suis retrouvé. J'étais bloqué une fois, je crois, dans un décor et là, j'ai dû mourir. Ah oui, non, j'ai eu un autre bug. C'était ça. J'ai construit une échelle de bah c'était sur ça doit être ici. J'avais construit une échelle ici et au-dessus j'avais dû foutre un autre biodôme, un truc comme ça. J'ai pu monter, mais arrivé en haut, il n'y avait plus l'échelle pour descendre. Donc j'étais bloqué. Je pouvais plus sortir, il n'y avait pas de porte au bâtiment, et je pouvais plus prendre d'échelle. Mais finalement, en coup de bol, j'avais quand même sur moi de quoi créer une porte pour créer une sortie.
Et autrement, j'étais obligé de mourir. Parce que j'ai pu passer, monter, mais comme il devait y avoir trop des décalages entre les deux bâtiments, l'échelle a dépassé pas de sur l'autre bâtiment, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir accrocher pour redescendre. Donc j'ai eu ça comme bug. Bon, c'est pas des trucs super dramatiques, quoi. Le passage sous map, c'était un peu plus bizarre, quoi. Bon, c'est pas le premier jeu, hein, sur lequel j'ai eu ça. Ouais, puis à part ça, je crois que globalement, ça a été. Si, j'ai eu un autre bug. C'était au tout début. J'ai eu un bug où, en fait, je suis mort parce que j'avais plus assez d'oxygène. Et ça me faisait réapparaître sans arrêt au même endroit en ayant, mais genre, une barre, t'avais quoi, 5-10% d'oxygène. Donc, et le problème, c'est que dès que j'avançais, au lieu de me rapprocher ben, ça me refaisait pop systématiquement au même endroit. Donc c'était sans fin, quoi. C'est hop, je crevais, je réapparaissais avec 5% d'oxygène, j'avançais pour essayer de me rapprocher d'une zone pour avoir de l'oxygène d'une de mes cabanes, un peu hop, je retournais exactement au même endroit. Et en fait, ça s'est relu. Quand j'ai résolu, quand j'ai re relancé le jeu, j'ai bien réapparu avec, je sais pas, 40, 30, 30% d'oxygène, et j'ai arrêté de crever et de réapparaître au même endroit. Mais ça ne me faisait pas réapparaître dans un de mes avant-postes, et je réapparaissais avec 5% d'oxygène, donc tu pouvais rien faire en boucle. En boucle comme ça, tu mourrais, et puis t'avançais pour cette heure-là, tu recrevais, tu retournais en arrière. Et voilà, c'est les principaux bugs que j'ai eu sur le jeu. Mais à chaque fois, résolvable, soit en lançant le jeu, soit en bidouillant, quoi. Allez, plus que 5. Bon, autrement, globalement, ça va, quoi. Pour une early, hein. Je dis day one, ça va quoi. C'est quand même assez. Le jeu est relativement stable aussi au niveau optimisation. Il tourne bien. Bon là, ça commence des fois à laguer un petit peu parce qu'on a beaucoup beaucoup construit donc sur la planète, donc avec tous les arbres, ça commence à des fois à laguer un peu. Mais autrement, voilà, là, je suis à quoi, entre 50 et 60 FPS malgré toutes les constructions, tout ça en 2K, ça va quoi. C'est que le jeu est quand même plutôt joli, il y a beaucoup de constructions donc ça va. Après ça dépend, là par exemple, c'est en fonction d'où on regarde. Là je suis à 64 FPS, là je tombe à 34. Parce que bah, y a tous les trucs, toute la végétation, les trucs qui balancent de la flotte, le sable qui descend, tout ça, donc ça commence à faire un peu beaucoup. 44, 47. Mais ça va, ça. Vu le type de nombre de construction, ça va quand même. Allez, on y arrive. Le cap. Le dernier truc à débloquer. Dernier plan. Voilà, pile à combustible. Qu'est-ce qu'il faut pour la pile à combustible? Déjà, ça doit se fabriquer quoi là-dedans? Voilà. 3 quarts pulsés, ouais, quand même. 3 quarts pulsés, l'osmium, tu vois, donc on a bien fait de garder du gaz de lutin. Là, j'en ai déjà 3. Et le lutin. Je sais plus combien il me fallait, c'est pas grave. Voilà, et de une, et on va aller la mettre dans le vaisseau. Et on aura de quoi de faire les deux autres, y a pas de souci. Aucun problème, on a les ressources. On va peut-être se mettre bien niveau bouffe avant de partir, histoire d'être full.
J'ai ma box de toute façon juste à côté du truc. On va boire un petit coup, puis on va se diriger gentiment par là. Peut-être pas besoin d'avoir autant de flotte sur moi par contre. Une bouteille, ça sera largement suffisant. Ça, j'ai pas besoin d'avoir non plus. Et puis, bah, on va faire comme ça. Il ne resterait pas une petite ration quelque part. Bon, enfin, ça ira. Allez, allons-y. On va voir ce qu'il y a derrière ces magnifiques portes. Retrouver où c'était. Ok. Et ça a ouvert où ici? On a étonné un shit. En fait, apparemment, on peut la récupérer après. On peut la récupérer, d'accord. Du coup, on les craftera quand même, c'est pas grave, mais reste à savoir où c'est ouvert. Ici. Ah, ici. Une barre d'uranium. Une puce engrais. Un extraordinaire pour le moment. Ah bah voilà, la fameuse plante que j'avais jamais vue. Un réacteur, engrais. Graine d'arbre Itera. D'accord. Donc une graine directe. D'accord, bon, voilà. Pense que c'est tout. Du coup, je pense qu'on a une seule suffit, hein. Pas besoin de se... Est-ce qu'on a vraiment besoin de crafter les autres? Une fois que tu as ouvert les portes, c'est tout ce que ça fait. Tu récupères ta cellule et puis basta quoi. Tu veux ouvrir les portes avec la même. Parce que ça a ouvert juste celle-ci, celle-ci, ça ne l'a pas ouverte. Attends, je vais vérifier quand même. Il a que vérifier que ça a ouvert d'autres portes, mais celle-ci, non, elle n'est pas ouverte. Est-ce que ça en a ouvert ailleurs? Porte ronde. Ah, si, ça en ouvre une là. Je vais reprendre l'oxygène. On va poser ça là, on sait pas ce qu'on trouvera, donc posons. Deux barres d'uranium, mais tu vois, ça arrive trop tard tout ça. Le problème, hein, c'est que les éolites. Après, peut-être pour le futur contenu, quoi. Mais globalement, bon, l'uranium, j'en ai plus vraiment énormément besoin, quoi. Et j'en ai encore des stocks pas possibles. Et puis, en plus, tu peux en avoir. Avec la mine, je peux en avoir autant que je veux, quoi. Donc, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore une autre porte quelque part qui a été ouverte? C'est la sortie. Alors, je pense que c'est bon. Ça, c'est celle qui a été ouverte aussi. De côté-ci. Non, bah, je pense que c'est bon. On peut récupérer.
Celle-ci fait. Non, mais peut-être. Non, je pense que c'est bon, on a fait les deux. Ça, c'était l'autre, c'est celle qu'on vient de faire. Ouais. Si, c'est bon. On peut récupérer notre combustible. Ouais, donc voilà. Il y a la plante qu'on connaissait pas. On a une graine d'arbre. Et à la limite, la graine d'arbre, ça aurait été bien de l'avoir avant parce qu'on a déjà crafté, je sais pas combien, des graines d'arbre. C'est qu'une 125, c'est quand même une 125, hein. C'est même pas vraiment une particulière. Parce que la meilleure c'est 150. Ok, bon, on va rentrer ça à la maison, puis on va passer à la prochaine épave. Les engrais, c'est pareil. Bon, peut-être qu'on en a besoin. On verra plus tard. Quand il y aura une mise à jour, on verra bien, effectivement, si on a encore besoin de tout ça. Mettre la graine aussi là. Et puis, on va mettre la puce avec ses copines. Bien, suivant, on va faire celui qui est là-haut. Normalement, je crois qu'il doit y en avoir une aussi là-haut. Je sais qu'il y en a une à l'arche. Et il doit y en avoir une un aussi. Je sais plus si j'ai laissé une capsule au niveau de l'arche là-haut par contre. Quand j'ai une capsule, c'est un avant-poste. Que c'est à l'étage? Ici le générateur. Peut-être qu'après s'ouvrira ici quelque part. C'est de l'autre côté. Chance. On n'a pas là. Il n'y a pas un petit générateur ici quelque part ici. Non, peut-être pas, écoute. Il y en a qui disaient qu'il y en avait trois. Il y a tout un tas de graines des fois sur les étagères. Je vais refaire le tour. Apparemment, il n'y a pas de générateur.
Peut-être que deux au final. On va reprendre un peu d'oxygène. À moins qu'il soit quelque part par ici. Pas l'air. Hein. Pourtant, il y a tout un tas de portes hein, qui restent. Il y en a peut-être une quand même là-dedans qui doit s'ouvrir. Hein. Ici, c'est de la végétule. Là où, bah, du coup, on va se bloquer. À l'étage, il y a des portes, mais ici, on est allé, il n'y avait pas de truc. Ici, non, il y a une sorte de poste de pilotage, mais il n'y a pas de. Bon, ça, c'est des graines. Mais il n'y a pas de générateur ici. Bon. Bon, bah c'est tout, non? Non, on va explorer tout ça. Là, on en vient, on va aller voir, il n'y avait rien. Je vais retourner faire encore un tour de l'autre côté. Ou alors il est pas ici, non, il est pas à l'extérieur quelque part. Possible, on va savoir. On va essayer de ce côté-ci. Des cabines. Ouais, bah non, il n'y a pas de générateur sur mon compte. Je sais pas où ils ont vu le troisième. Peut-être dans une base, peut-être dans un bunker. Peut-être dans un bunker qu'il y avait. Je me souviens, c'est possible ça. Peut-être que c'était pas dans une épave de vaisseau, peut-être qu'il y en a un dans un bunker. Pourrait retourner dans le bunker terminal. Du coup, on va aller faire un petit tour. On va aller à l'Arche maintenant. Ouais, après, c'est dans un des grands bunkers. Donc, le grand bunker, c'est plutôt celui du vraiment de la fin, quoi. Faut pas se souvenir qu'il y avait un réacteur. On va regarder ici, mais normalement ici il n'y a pas grand chose, hein, c'est petit. Peut-être que c'est ici qu'il y en a. Hein. Pas ici.
On ira jeter d'œil un œil dans le grand bunker pour voir quand même. J'ai pas souvenir qu'il y en avait un là-haut. Petite arche. C'est par ici. Contre, je sais plus si j'ai encore une cabane qui traîne. Juste devant. Il me semble, normalement. Peut-être démonter. C'est peut-être bien sous l'eau qui est le truc. Par contre. Ou pas. La sortie, ça, ouais, c'est la sortie. Donc ça c'est la grotte, c'est pas dans la grotte. Pas ici non plus. C'est là. Voilà. Où est-ce que ça a ouvert du coup ici? Ça c'est la grotte, donc non. Est en haut. Peut-être me faire un petit coup d'air d'abord. Oh, ça sent le puits de météorite de super alliage. De super alliage. Souvent, c'est quand il y a un ciel violet comme ça. Apparemment, il n'y a rien. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de pluie de météorite. Hein. Il y a une période, j'en avais sans arrêt. Et maintenant, il n'y a plus rien. Bon, tu as ouvert où? La porte. Ici, non, parce que c'est d'avance. Hein, hein. Dans ta plante. On allait dans l'eau, c'était non. Ici, peut-être là. Ah, ça doit être là. Vois juste pas grand-chose. Ah, il y a une caisse là. Ouais, intéressant. Rien d'intéressant non plus. Bah, putain, c'est pour ça, se faire chier à mettre une capsule pour ouvrir ça, et qu'il n'y a rien dedans comme ça, c'est triste, hein. Et une autre porte qui est ouverte quelque part. Ça, on connaissait déjà, c'était déjà ouvert. Ouais. Alors ici, est-ce qu'il y en a une qui semble une nouvelle porte? Bon, ça c'est le générateur du coup. Ça a ouvert qu'une seule porte et il y avait ça derrière. Bon, bah c'est nul. Hein. Rien du tout d'intéressant avec mes caisses là. Je regarde quand même si j'ai pas raté quelque chose.
Oui, c'était nul. C'était bien nul. Autant l'autre, il y avait quand même des trucs intéressants. Autant là, l'aluminium, des conneries comme ça. Quel intérêt de foutre de faire chier à ouvrir les portes avec une pile à combustible. On continue à tourner un peu là. Je sais plus si je crois qu'on peut pas démonter celui-là, ouais. J'ai déjà fait ça. Jeter encore un œil. On va pas rater quelque chose, mais. Ça, c'est la grotte, là il n'y a rien. On a ça, c'est là où on a mis la pile, il n'y a rien de plus, non, ben, on va récupérer la pile. Il y avait une porte qui s'est ouverte avec de la merde dedans. Tristesse. Bon, ben, on a utilisé deux dégénérateurs. Et après, soi-disant qu'il y a un troisième. Vrai ou un taxe, je ne sais pas. On va aller au grand bunker. Et puis voir s'il y a un générateur là-dedans. Heureusement que je commence à connaître un petit peu parce qu'autrement, écoute la végétation, laisse tomber. À force d'avoir fait les trajets, voilà. De par ici. Voilà. Et du coup, j'ai pas de cabane ici, donc pas trop traîner. Ici, il y a juste des coffres en extraordinaire. Mais celle-là, il y a des super loot hein, dans toute cette zone-ci. Ah, tiens, il n'y a plus ici. Et on change d'étage. Et ici, il y avait une paroi. C'est ici que j'ai démonté une paroi. Et dans le coffre, là, il y avait de. Il y avait plein de trucs intéressants, des quartz pulsés, machin, tout ça quoi. Bah non, bah pas d'autres générateurs, bah écoute, je sais pas, à l'occasion je regarde internet voir s'il y a bien un troisième, si c'était pas une connerie.
Oh bon, bah après, ça ouvre juste des portes, hein, rien d'extraordinaire non plus. Hein. Bon, un peu décevant quand même. Effectivement, moi je le savais, hein, j'avais vu que c'était pas non plus des trucs vraiment extraordinaires qu'il y avait. Hein. Voilà, on arrive à la base, à la maison. Home sweet home. Et là, vous allez rejoindre vos copines pour une potentielle update. 10 puces. 10 puces en attente. Alors, on est où? 654, ouais, ça continue à bien monter. Puis là, on est à 65%. Bon, bah écoutez les gens, je pense qu'on va en rester là hein, pour Planet Crafter, je pense qu'on est arrivé au bout là, de globalement ce qu'il y avait à voir. Hein. On va attendre bah, des futures mises à jour. On voit pas d'insectes, mais ça me paraît pas illogique parce que y a pas de raison qu'ils apparaissent comme ça formidablement tout seuls sans qu'on fasse une action particulière. Et apparemment, actuellement, on n'a pas d'outils particuliers pour créer de la faune. Donc y a pas de raison qu'ils apparaissent. Merci d'avoir assisté au stream, merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Moi je vais faire une petite pause, puis je reprendrai peut-être sur un autre jeu un peu plus tard. Allez, merci à vous, à bientôt, bye bye.